Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a un peu plus de 5 mois, qui est La Loi du Marché, un film de Stéphane Brisé, avec notamment l'acteur principal qui est Vincent Lindon, et qui a obtenu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2015. Alors, La Loi du Marché, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc c'est un film qui est plutôt un très bon film sur l'univers du travail et les déconvenues professionnelles que peuvent avoir les seniors, on va dire les seniors, puisque Vincent Lindon fait partie de la catégorie des personnes qui ont entre 40 et 50 ans et qui ont des difficultés à retrouver un travail après plusieurs déconvenues professionnelles. Voilà, donc en fait on suit l'univers, la trajectoire, on peut dire ça comme ça, de ce personnage qui essaye de trouver un travail, donc notamment on voit un entretien sur Skype avec un recruteur qui est à un moment d'une cruauté extrême. C'est pas drôle ce que je dis, mais c'est affreux. Et puis aussi avec Pôle emploi, qui peut rappeler certains moments, moi ce qui m'a rappelé des moments que j'ai pu vivre avec Pôle emploi. Et puis aussi on le voit dans l'univers du travail, donc là il est vigile dans un magasin, un supermarché. Et là on peut voir aussi que dans ce monde-là, c'est presque un monde, c'est pas un monde de requins, mais c'est un monde cruel, voilà, le monde du travail dans lequel, dans celui où il est, c'est vraiment un monde pas très moral, voilà. J'ai beaucoup aimé ce film puisque il ressemble à un documentaire avec notamment beaucoup de plans séquences avec la caméra portée et aussi avec des acteurs non professionnels. Et j'ai beaucoup aimé aussi les scènes avec le fils du docteur de Vincent Lindon, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Qui sont assez touchants, assez mouvants, voilà. Et il y a quelques moments où avec sa femme aussi ils font des danses de salon. On les sent proches et j'aime beaucoup ces moments-là, voilà. Ils sont proches dans les moments très très durs qui leur arrivent dans leur existence, par exemple la vente du mobilhome, les problèmes qu'ils ont avec leur fils, voilà. Donc c'est pas ça, j'ai bien aimé. Et puis bah, j'ai bien aimé le film dans son ensemble, voilà. Donc c'est un film à conseiller. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle chronique vidéo. Bye.